Chers élèves de terminale A, C, D, vous êtes nombreux à être candidats au bac 2021 et je suis Monsieur Francis Akene Mayoke, votre professeur de français. Nous allons aujourd'hui avec vous aborder une notion très importante, elle est liée aux exercices littéraires. Alors, d'abord, dans votre programme de français de terminale, vous avez la notion du texte. Et nous avons plusieurs types de textes que vous avez appris depuis la seconde jusqu'en terminale. Nous avons par exemple le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif, le texte injonctif et le texte argumentatif. Alors, dans la plupart des œuvres littéraires, les auteurs s'exercent à faire un mélange de plusieurs types de textes. Dans les textes narratifs, on peut trouver aussi des passages explicatifs. Alors aujourd'hui, nous allons un peu plus loin, aborder le type argumentatif qui est souvent lié aux exercices littéraires, notamment la dissertation, le commentaire littéraire, la discussion, le résumé de texte. Alors, dans ces différents exercices, il y a la rédaction des paragraphes. Et nous avons souvent nommé ce type de paragraphe par des paragraphes argumentatifs. Alors, donc, que l'on soit dans la discussion, dans la dissertation, alors nous avons ces types de paragraphes à écrire. Et la réussite de ces paragraphes est liée à la connaissance d'un certain nombre de connecteurs logiques, donc des moyens grammaticaux, rhétoriques, que les auteurs ou les écrivains utilisent pour émettre leurs idées, pour mettre en relation plusieurs types d'idées. Et donc, pour la rédaction du résumé de texte, pour la rédaction d'un passage ou d'un paragraphe ou d'un développement de discussion ou de dissertation, alors nous avons besoin des éléments que nous appelons des connecteurs logiques. Donc, notre cours d'aujourd'hui s'intitule « L'expression des connecteurs logiques dans le développement d'un exercice littéraire ». Voici notre titre. Expression des connecteurs logiques dans le développement d'un exercice littéraire. Alors, donc, à la fin de cette séance portant sur l'expression des connecteurs logiques dans le développement d'un exercice littéraire, tout élève de terminale ACD doit être capable, à partir des connecteurs logiques étudiés, de marquer au moins 3 liens logiques sur les 4 que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, donc nous allons passer à l'introduction pour comprendre ce que c'est que la notion
de connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques, donc nous sommes là toujours dans le domaine littéraire. Nous avons un exercice au bac intitulé « Étude d'un texte argumentatif ». Comment se présente cet exercice? Nous avons grand 1, question, grand 2, travail d'écriture. Dans le grand 1, nous avons grand A, compréhension du texte. Et le grand B, c'est la pratique de la langue, donc la grammaire. Ensuite, dans le grand 2, nous avons le petit 1, résumé, et le petit 2, discussion. Alors, à quel moment interviennent les connecteurs logiques? Nous avons déjà dit qu'il s'agit des éléments grammaticaux, des conjonctions et des locutions qui nous permettent de mettre en relation plusieurs idées dans un texte argumentatif. Alors, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Il s'agit d'un texte dans lequel l'auteur défend une idée à partir des arguments. Et donc, dans le texte argumentatif, l'auteur a une stratégie pour convaincre, pour susciter l'adhésion de son interlocuteur, du lecteur, du bénéficiaire du message. Alors, donc, la mise en œuvre de ces éléments que nous appelons connecteurs logiques ou encore termes d'articulation, couramment appelés mots de liaison, ce sont des maillons de chaîne. C'est comme les articulations de notre corps. Elles rendent notre corps souple. Donc, dans le texte argumentatif, les connecteurs logiques ou termes d'articulation, ou encore mots de liaison jouent le même rôle. Donc, nous allons partir de la définition que vous allez noter. Le grand 2, donc, vous pouvez noter définition. Alors, nous allons d'abord, avant de donner cette définition, lire notre texte d'appui. Nous avons choisi pour vous un texte qui permettrait à chacun de vous d'observer et de relever les différents connecteurs logiques ou termes d'articulation. Nous avons dit que ce sont des mots, des conjonctions ou des locutions que les auteurs ou les locuteurs utilisent pour mettre en relation, pour organiser leur discours, pour mettre en relation les idées dans un texte. Alors, nous avons le texte de Jean Cluzel, extrait de son ouvrage « La télévision », édition Flammarion, 1996. Nous lisons le texte. « L'intérêt du téléspectateur pour le numérique est triple. D'une part, les informations sont nombreuses, puisque la transmission en compression numérique permet le transport de 5 à 8 fois plus d'informations que la technique analogique dans la même bande passante. D'autre part, l'image est de meilleure qualité. En outre, elle offre l'interactivité. Par exemple, un spectateur de match de football peut visionner autant de fois qu'il le souhaite le coup au but tout en changeant d'angle comme s'il était lui-même le caméraman. » Alors donc, à partir de ce texte, nous allons relever les différents connecteurs logiques ou termes d'articulation ou encore mots de liaison que l'auteur a utilisés pour enchaîner ou pour relier ses idées. Alors, nous avons, au niveau
de la première ligne vers la fin de la première ligne jusqu'au début de la deuxième ligne, nous avons le connecteur logique d'une part. Donc, cette locution déroule un argument qui est lié à sa thèse. Nous avons dit dans un texte argumentatif, l'auteur défend une thèse. Sa thèse est laquelle? Elle est contenue dans la première phrase. L'intérêt du téléspectateur pour le numérique est triple. Alors donc nous allons voir ces avantages ou ces éléments que l'auteur énonce, ces trois aspects de cet intérêt que l'auteur énonce dans son discours. Alors, nous constatons que, dans un premier temps, l'auteur a utilisé la locution d'une part. Alors, donc à partir de d'une part, les informations sont nombreuses, alors nous avons son premier argument qui est lié à sa thèse, qui dit que l'intérêt du téléspectateur pour le numérique est triple. Donc il y a trois éléments qu'il doit évoquer à partir pour soutenir sa thèse. Donc le rôle des arguments est de soutenir la thèse énoncée par l'auteur. Donc nous allons voir ces différents arguments. Et ces arguments sont liés les uns aux autres par les connecteurs logiques ou termes d'articulation ou encore couramment, nous appelons cela par les mots de liaison. Alors, si nous descendons un peu plus loin, nous allons voir l'expression « d'autre part », donc la locution « d'autre part ». Donc, nous avons « d'une part », nous avons « d'autre part ». Alors, un peu plus loin, nous avons « en outre ». Donc, il y a trois éléments que l'auteur a utilisés pour défendre sa thèse, pour développer son opinion, sa pensée. Il a d'abord affirmé que l'intérêt du téléspectateur pour le numérique est triple. D'une part, les informations sont nombreuses. D'autre part, l'image est de meilleure qualité. En outre, elle offre l'interactivité. Voilà, ces trois éléments, ces trois arguments qui défendent, qui développent la pensée de l'auteur. Chers élèves, alors nous allons marquer le grand 2 pour vous expliciter encore ce que c'est que les connecteurs logiques. Qu'est-ce qu'on entend par connecteur logique réellement ? Vous allez noter au grand 3, définition des connecteurs logiques. Définition des connecteurs logiques. Alors, nous avons dit avec vous que les connecteurs logiques, encore appelés termes d'articulation ou mots de liaison, ce sont des mots ou des locutions qui relient les unités de sens dans une argumentation. Nous sommes partis d'un texte de Jean Cluzel. Et le thème développé par l'auteur, nous avons dit, c'est le numérique. Et sa thèse, dans sa thèse, il dit l'intérêt du téléspectateur pour le numérique est triple. Et il a utilisé trois connecteurs logiques pour développer sa pensée. Dans un premier temps, il a utilisé
la locution d'une part. Ensuite, il a utilisé une autre locution pour mettre en parallèle ses idées. Il a utilisé d'autre part. Et pour terminer ou pour ajouter un autre élément, alors l'auteur a utilisé en outre. Il offre une certaine interactivité. Alors donc, au-delà de cette définition, nous allons comprendre que les connecteurs logiques ont aussi une valeur ou un rôle à jouer dans un texte. Et dans chaque texte, l'auteur ne met pas ou n'utilise pas les mêmes termes d'articulation ou mots de liaison. Il peut varier les termes d'articulation ou les mots de liaison ou connecteurs logiques en fonction de ce qu'il veut dire. Alors, donc, grand 3, nous allons marquer la valeur des connecteurs logiques. Donc, en d'autres termes, l'importance des connecteurs logiques. 4. Valeur des connecteurs logiques. Alors, l'auteur peut utiliser, nous avons dit, plusieurs mots de liaison dans un texte. Et chaque mot de liaison a un rôle à jouer. Donc, il y a des relations logiques que les mots utilisés par l'auteur ou les conjonctions, les locutions et conjonctions utilisées par l'auteur jouent. Alors, donc nous disons, pour cela, les connecteurs logiques ou termes d'articulation permettent à un auteur d'expliciter le rapport que l'on établit entre deux faits ou deux idées. Alors, il y a plusieurs rapports dans un texte. L'auteur peut varier les idées en fonction de son thème. Ce rapport peut être quoi ? L'addition, l'explication, la cause, la conséquence, la condition, l'hypothèse, le but, la concession ou l'opposition. Je répète, ce rapport que nous pouvons constater dans un texte argumentatif, dans le développement d'un paragraphe argumentatif, peut être l'addition, la cause, la conséquence, la condition, l'hypothèse, le but, la concession ou l'opposition. Alors, donc, à l'intérieur d'un texte argumentatif, les connecteurs logiques mettent en évidence les articulations d'un plan. Donc, l'auteur a un plan lorsqu'il écrit. Donc, vous également, le jour de l'examen, vous avez plusieurs idées qui peuvent s'opposer, qui peuvent s'ajouter. On peut dérouler un raisonnement, on continue et on met fin à son raisonnement. On peut justifier, on peut exprimer la cause, la conséquence, l'hypothèse, le but, la concession, l'opposition. Donc, nous disons à l'intérieur d'un texte argumentatif, donc on pouvait aussi dire à l'intérieur d'un paragraphe argumentatif, lors du développement d'un exercice, soit la dissertation ou la discussion, voilà, les connecteurs logiques permettent à vous, élèves, de mettre en évidence les articulations d'un plan. Vous avez des plans à suivre. Vous pouvez avoir un plan explicatif, vous pouvez avoir un plan binaire, vous pouvez avoir un plan dialectique, un plan analytique, un plan comparatif. Alors, ça dépend de la nature du sujet qu'on peut vous proposer. Donc, nous disons, à l'intérieur d'un texte argumentatif, les connecteurs logiques mettent en évidence les articulations d'un plan en assurant la liaison entre les paragraphes successifs. Nous partons d'un paragraphe pour un autre. Alors, donc nous pouvons nous servir des connecteurs logiques ou des mots de liaison pour distinguer
le mouvement du texte ou encore pour distinguer nos idées dans le développement d'un exercice. Alors, donc, l'analyse des rapports logiques ou de ces liens logiques permet de comprendre le déroulement de la pensée de l'auteur et la logique interne du texte. Voyez-vous, lorsque nous lisons un texte, il peut avoir plusieurs paragraphes. Mais dans tous les paragraphes, l'auteur ne doit pas énoncer la même idée. Il y a des idées qui se complètent, il y a des idées qui s'opposent. Il peut expliquer, tout comme il peut comparer. Nous passons au grand 5, analyse des liens logiques. Les liens logiques, c'est quoi? Il s'agit des rapports que nous constatons entre les différentes idées, entre les différents éléments que l'auteur a utilisés dans le texte. Alors, nous allons partir d'un tableau. Nous le dessinons, donc nous écrivons tableau illustratif de l'addition. Avant de définir l'addition, nous partons d'abord de ce tableau. Alors, nous avons dit, nous avons deux colonnes. Ici, nous marquons relation logique. Et ici, nous mettons terme d'articulation. C'est-à-dire les mots de liaison ou les connecteurs logiques. Voilà. Alors, donc, nous avons ici, l'auteur peut additionner. Donc, il y a une relation d'addition. L'auteur peut préciser l'ordre des éléments qu'il a utilisés. Il peut renchérir donc peut aller un peu plus loin dans les détails ou dans le développement de sa pensée. Alors, donc, si nous voyons bien, nous aurons donc, dans un premier temps, pour commencer ou pour débuter un raisonnement, ou encore pour débuter son raisonnement. Voilà. Qu'est-ce que l'auteur peut utiliser comme mot de liaison? Alors, il peut utiliser les termes, les locutions suivantes. Il peut utiliser premièrement, il peut utiliser d'abord, il peut utiliser tout d'abord, il peut utiliser en premier lieu, ainsi de suite. Alors, pour continuer son raisonnement, pour
pour continuer. Pour continuer. Alors, pour continuer son raisonnement, l'auteur peut utiliser les locutions suivantes. En outre, il peut utiliser puis, il peut utiliser de plus, il peut utiliser par ailleurs, par ailleurs. Il peut utiliser ensuite, il peut utiliser de surcroît, de surcroît. Il peut utiliser qui de plus? Il peut utiliser en plus de. Il peut dire voir avec E. Il peut dire et de plus. Et de même, eux-mêmes, ainsi de suite. Alors, toujours dans ce même ordre d'idée, l'auteur peut terminer. Il a commencé, il a continué le raisonnement, mais il peut terminer aussi son raisonnement. Pour terminer, vous pouvez faire ceci. Voilà. Pour que ça soit visible. Pour terminer, donc, pour terminer ou pour conclure. Voilà, il peut utiliser quoi? Enfin. Enfin, en un seul mot. Il peut utiliser en dernier lieu. En dernier lieu, il peut utiliser en conclusion. Il peut utiliser en résumé. Voilà. Alors, en dehors de l'addition, l'auteur peut également faire une mise en parallèle ou indiquer une alternance dans ce qu'il énonce. Alors donc, une autre relation, en dehors de ce que nous avons mis, additionner, préciser l'ordre des éléments, renchérir, l'auteur peut mettre en parallèle. En parallèle, il peut indiquer une alternance. Alors, quels sont les outils ou les mots qu'il peut utiliser? Il peut utiliser d'une part, point de suspension, d'autre part, il peut utiliser non seulement, point de suspension, mais encore. Il peut utiliser ni, ou bien. Ou bien.
Soit. Soit. Ou. Ou. Voilà. Voilà ce tableau. Va nous permettre de nommer la relation que nous allons nommer ici, c'est l'addition. Donc, quand nous regardons tous ces connecteurs logiques qui sont au tableau, nous avons dit les termes que l'auteur peut utiliser dans le développement d'un paragraphe argumentatif peuvent lui servir d'additionner, de préciser l'ordre des éléments et de renchérir. Donc, pour dérouler sa pensée, l'auteur peut utiliser la locution « premièrement »,« d'abord »,« tout d'abord », »,« en premier lieu » et bien d'autres que vous pouvez trouver dans vos recherches. Alors, pour continuer son raisonnement, l'auteur ou le candidat qui développe son exercice littéraire peut utiliser « en outre », »,« ensuite », »,« de plus », »,« par ailleurs », »,« ensuite », »,« de surcroît », »,« qui de plus », »,« en plus de », »,« voire », »,« et de plus », »,« eux-mêmes ». Alors, pour terminer sa pensée, pour terminer son raisonnement, l'auteur, le candidat que vous êtes, vous pouvez utiliser « enfin ». Donc, il s'agit de conclure « enfin », »,« en dernier lieu », »,« en conclusion », »,« en résumé » de tout ce qui précède, « au regard de ce qui précède ». Voilà, ce sont des locutions que vous pouvez utiliser. Alors, la relation logique peut aussi, de l'addition, peut aussi mettre en parallèle, indiquer une alternance. D'une part, c'est ce que nous avons remarqué dans le texte de l'auteur, il a dit, d'une part, les informations sont plus nombreuses puisque la transmission en compression numérique permet le transport de 5 à 8 fois plus d'informations que la technique analogique dans la même bande passante. Et il a encore ajouté, donc pour mettre en parallèle, il a dit, d'autre part, l'image est de meilleure qualité. Et pour aller un peu plus loin, alors, il a utilisé « en outre ». Alors, où est-ce que nous avons trouvé « en outre » C'est pour enchérir. Il a dit « en outre ».« En outre » est là. Donc, il continue toujours son raisonnement. Il a utilisé « en outre ». Alors, voilà donc, il dit « en outre », elle, donc l'image, offre l'interactivité. Puisqu'il avait d'abord dit, d'autre part, l'image est de meilleure qualité. Elle, en outre, elle offre l'interactivité. Donc, il était en train de développer sa pensée en utilisant, d'une part, d'autre part, en outre. Voyez-vous? Alors, donc, nous voyons que ces termes ici évoqués dans ce tableau exprime une relation. Nous avons dit dans la valeur ou les valeurs des liens logiques ou des connecteurs logiques que les connecteurs logiques ou termes d'articulation permettent à un auteur ou à un candidat d'expliciter le rapport que l'on établit entre deux faits, deux idées. Et nous avons dit ce rapport peut être l'addition, l'explication, la cause, la conséquence, le but, l'hypothèse, voilà, l'opposition, la concession, etc. Alors donc, notre cours d'aujourd'hui a porté sur l'expression des connecteurs logiques dans le développement d'un exercice littéraire. Nous avions dit avec vous que nous avons trois types d'exercices au bac. Nous avons la dissertation, nous avons l'étude d'un texte argumentatif
Et dans l'étude d'un texte argumentatif, nous allons résumer le texte et nous allons discuter une pensée. Alors, lorsque nous sommes dans la discussion, dans la dissertation, voilà, nous devons nécessairement utiliser les connecteurs logiques pour varier nos idées. Et étant également dans le résumé, nous pouvons avoir deux paragraphes argumentatifs à résumer et dans lesquels l'auteur a utilisé les connecteurs logiques. Et ces connecteurs logiques nous permettent de comprendre le plan interne du texte et également comprendre la relation logique des différents éléments ou des différentes idées énoncées par l'auteur. Alors, donc, pour terminer, nous allons vous donner un exercice à domicile. Il part également d'un texte. Alors, donc, il s'agit du texte 2. Celui-ci est de Jean-Paul Sartre, extrait de « Qu'est-ce que la littérature ?», publié en 1948. L'auteur écrit « La prose est d'abord une attitude d'esprit. Il y a prose comme pour parler, comme Valérie. Le mot passe à travers notre regard comme le ver au travers du soleil. Lorsqu'on est en danger ou en difficulté, on empoigne n'importe quel outil. Ce danger passé, on ne se rappelle même plus si c'était un marteau ou une bûche. Et d'ailleurs, on ne l'a jamais su. Il fallait tout juste un prolongement de notre corps. Un moyen d'étendre la main jusqu'à la plus haute branche. C'était un sixième doigt, une troisième jambe, bref, une pure fonction que nous nous sommes assimilés. Ainsi, du langage, il est notre carapace et nos antennes. Il nous protège contre les autres et nous renseigne sur eux. C'est un prolongement de nos sens. Alors, donc, à partir de ce texte de Jean-Paul Sartre, vous allez préciser les relations logiques dans le développement du propos contenu dans le texte. Donc, il y a dans ce texte des termes d'articulation qui sont en gras. À partir de ces termes d'articulation utilisés par Jean-Paul Sartre, vous allez préciser les relations logiques. Est-ce que ces termes d'articulation présents dans ce texte établissent les mêmes rapports? Et à partir de ces termes d'articulation, vous pouvez dégager les différentes idées ou les arguments utilisés par l'auteur pour développer sa pensée. Alors, merci de nous avoir suivis. Et le prochain cours portera sur la comparaison et l'explication. Merci de votre aimable attention. Au revoir au prochain cours.